C'est agréable de l'idée du débat, de discuter avec des gens qui s'intéressent, de voir combien, comment on est nombreux, quelles sont les questions qui vont être posées. Et voilà. Et ta deuxième. Et comment je vois la période qui vient? La période qui vient, elle est du fait qu'il y a ça justement, qu'on se retrouve, qu'on peut discuter, échanger, qu'il y a des projets, que ça bouffe la moitié de la semaine. Elle était assez déprimante. Elle devient plutôt excitante. Enfin. C'est assez joyeux de pouvoir se réengager dans une action qui avance et de reparler avec les gens autour de choses qui nous sont communes et qui nous agrègent. Et moi, la petite place que j'ai, parce que moi, je ne suis pas une grande théoricienne ou une grande praticienne, mais de pouvoir mettre en mots des choses dont je me rends compte qu'elles nous agitent tous, en fait. Et tous ces derniers mois, elles étaient sur le mode dépressif, ça ne va pas du tout, tout est pourri. Il va falloir qu'ils disent, je ne sais pas, des choses... voilà. Ou alors c'est de plus en plus ci, c'est de plus en plus ça, avec en plus la montée de l'extrême droite qui prend toutes les mauvaises réponses à des questions de souffrance qui sont réelles. Et là, d'un seul coup, le fait de pouvoir être dans de l'action et du partage plutôt que dans de la dépression et du repliement, eh bien, après, ce qu'on disait pendant le débat, les mesures qui sont prises maintenant, c'est-à-dire les 5 ans, ils sont... C'est historique, c'est-à-dire le niveau de la trahison, de ce n'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est pas du tout ce à quoi je crois, ça ne correspond à rien. Donc là, il atteint des sommets à la fois dans la manipulation et aussi dans la manipulation. Enfin bon, le fait que ça bouge, on se dit, mais ça peut bouger très très vite, surtout maintenant. Et puis d'ailleurs, ça a toujours pu bouger très très vite. Hein. C'est souvent des questions qu'on se pose. Tout à l'heure, on parlait de constituante, qui est vraiment là aussi une idée peut-être un petit peu complexe, mais extrêmement intéressante et excitante. La constituante qu'on avait appris à l'école, c'est celle qui suit 89. Et 89, c'est allé très très vite. C'est-à-dire que quand l'énergie d'un peuple s'agrège et décide de changer les choses, c'est possible. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une idée de grand soir, mais c'est une idée que si on veut arriver à bouger les choses, on peut les bouger. Surtout que le monde, il bouge vite, là. Il faudrait qu'on bouge avec lui, quoi, pour arriver à garder une société vivable.